d'abord parce que ce monsieur a fait le choix contraire à celui que beaucoup font, contraire à celui que beaucoup font encore malgré les drames. Il a choisi de traverser la Méditerranée dans le sens retour. Contrairement à nous, diaspora, rien. Lui, il a choisi de revenir au pays et de se mettre à la disposition de l'économie de son pays. Cher Gang, au nom de tous les pionniers qui ont été honorés ce soir, je vous transmets symboliquement le flambeau. Waouh! Bravo! Je souhaite que vous le portiez le plus haut possible pour le rayonnement de notre économie. J'ajouterai, si vous le souhaitez, et j'insiste bien si vous le souhaitez, tous ces pionniers resteront disponibles à vous accompagner, seulement si vous les souhaitez. Bravo. Mais permettez que je me donne le droit de vous donner un seul conseil, un seul. Soyez, restez et demeurez professionnels. Une réponse à l'aîné. Merci. C'est vraiment un honneur pour moi d'être reçu par les aînés, de prendre ce flambeau. Je vais parler rapidement de moi. Rapidement. Moi, j'ai grandi au Cameroun. J'ai grandi pendant 20 ans au Cameroun. Et je suis allé faire mes études à l'étranger. J'ai fait de longues études. J'ai fait de la finance, j'ai fait de l'ingénierie financière. J'ai travaillé quelques années. Mais un jour, j'ai décidé de rentrer au Cameroun pour monter ma propre société. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Dans le domaine des cosmétiques. Pourquoi les cosmétiques? Pas parce que j'adorais me maquiller quand j'étais tout petit. Mais surtout parce que ça représentait quelque chose. Ma maman est pharmacienne, mais c'est surtout parce que j'avais envie de proposer avec Madine Casalis, ma marque de cosmétiques, des produits adaptés à la peau noire, lutter contre le décapage de la peau, proposer, redéfinir l'identité africaine, la fierté africaine. Donc j'ai monté cette société avec 1,5 million de francs CFA. J'étais seul. J'ai eu le soutien d'un certain nombre de personnes. Être entrepreneur n'est pas facile. Je me suis attelé à la tâche. C'était une mission de santé publique, une mission de pouvoir montrer qu'avec très peu de moyens, on pouvait faire des choses. Je remercie aussi le ministère de l'économie et monsieur le ministre, qui nous a aussi soutenus dans ce projet. Aujourd'hui, nous sommes 20 employés. Nous doublerons nos effectifs d'ici l'année prochaine. Et nous sommes actuellement en train de mettre en place une nouvelle unité de production de 2000 m² qui ouvrira d'ici quelques mois. Donc, bravo. Je suis content d'être là. Je suis fier de pouvoir avoir ce flambeau pour représenter d'autres jeunes, parce que nous sommes nombreux et nous avons besoin aussi d'être guidés par des aînés. Je vous remercie beaucoup pour toute l'attention que vous donnez à la jeunesse. Merci. Vous devez lui remettre son prix à lui, parce que c'est un pionnier à lui. Et je voudrais faire remarquer qu'avec 1500, 1 million de francs CFA, qui est moins du montant de ce qu'utilisent certains pour essayer de passer la Méditerranée, il a monté une entreprise sur place et il gagne de l'argent. Ceci devrait peut-être inspirer quelques-uns qui croient que l'herbe est forcément plus verte
ailleurs, chez nous aussi, ça se passe. Donc de façon symbolique, je voudrais que ce soit le président Siak qui lui remette son trophée à lui. Merci beaucoup. Vous pouvez vous être libéré. Merci encore. Et on viendra forcément voir ce que vous êtes devenu. Merci. Nous passons à la dernière catégorie. Télécommunications. Et pour remettre le prix, qui d'autre que le ministre de l'économie, M. Luc-Paul Montazé, qui nous rejoint ici. Monsieur Emmanuel Satué. Today, the media